commence à aller un peu en un peu freestyle comme ça, c'est assez ça sort d'une manière assez spontanée en fait ce que je dessine. J'ai tendance à faire juste 2-3 traits comme ça de construction classique et puis après de dessiner à partir de ça. Et je crois que je serai à la série Loup de Julien Niel. C'est une BD en fait, et en fait je la lis depuis que je suis toute petite. Et en fait ça retrace l'histoire d'une fille qui vit seule avec sa maman mais qui est hyper créative et en fait la BD elle parle beaucoup sur aussi les ressentis que les gens peuvent avoir. Ça apporte pas mal de choses qui sont hyper touchantes en fait et du coup je trouve que ça me correspond bien en fait. Il y a Taiyo Matsumoto qui a fait Amer Béton, une des grosses œuvres qu'il a fait. J'aime beaucoup Akira. Et il y a une artiste qui vit ici à Bruxelles qui s'appelle Tarmaz, qui fait des trucs super chouettes. Et c'est aussi c'est très instinctif ce qu'elle fait. Et c'est en ayant connu cette artiste-là que j'ai réussi aussi à ajouter vraiment quelque chose dans mon dessin. Quand j'y réfléchissais, j'étais merde, c'est dommage parce que moi j'aime pas les expos à la base. Je suis pas très fan. Si, pour regarder tout ça, mais je trouve que c'est pas le meilleur moyen de voir des œuvres ou quoi. J'ai tendance à plus préférer les bouquins, super, les beaux bouquins où que tu peux passer 2 heures à être posé sur une chaise dans ton lit à feuilleter et juste à pouvoir vraiment scruter tranquillement qu'une expo où en fait, en tout cas toutes les expos que j'ai fait, il y avait de l'alcool et je rigolais avec les copains. Quoi. C'est surtout ça.